chers collègues, et bienvenue dans notre deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous aurons comme objectif de comprendre comment rajouter dans notre équipe différents canaux de communication. Un canal de communication vous permet de communiquer au sein de votre équipe par rapport à un sujet ou à un objectif particulier. Il vous permettra également d'être plus organisé dans votre communication pour ne pas surcharger inutilement le canal général où s'accumulera vos nombreuses publications. En acceptant de créer différents canaux, eh bien, vous vous donnez la possibilité d'avoir une meilleure organisation dans votre équipe. Comment créer ces différents canaux? Je reviens dans mon équipe test que j'avais créé précédemment. Je n'ai que le canal général pour débuter. Alors, juste à côté du nom de votre équipe, vous avez trois petits points. Cliquez sur ces trois petits points. Vous aurez ensuite différentes options de gestion de votre équipe. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cet onglet « Ajouter un canal ». Je clique sur cet onglet « Ajouter un canal ». Il vous demande, encore une fois, de préciser les informations concernant ce canal. Si par exemple, vous désirez mettre un canal « Questions et réponses », vous indiquez le titre. La description est encore facultative, inutile de vous y attarder. Concernant la confidentialité, sachez que certains canaux sont accessibles de manière standard à tous les membres d'une équipe, mais certains canaux que vous désireriez peut-être configurer peuvent être privés. Dans le cas de canaux privés, il pourra s'agir de canaux réservés à certains membres de votre classe, comme des sous-groupes par besoin, comme des sous-groupes lors de travaux de groupe que vous désirez organiser à distance, ou encore un groupe spécifique à l'enseignant avec lequel vous collaborez au sein d'une équipe. Si vous laissez le canal sur standard, cochez bien la petite le petit onglet affiché automatiquement ce canal dans la liste des canaux pour le faire apparaître automatiquement pour les élèves. Une fois que votre canal est fini d'être configuré, cliquez sur « Ajouter » et votre canal s'indiquera sur le côté de votre équipe.